Eh bien, mes chers trombonistes, dans cette vidéo, je vais vous parler encore de quelques souplesses, puisque les souplesses, c'est vraiment très très important au trombone. Et dans tous les cuivres aussi, mais bon, les autres, ils se débrouillent avec leurs instruments. Alors, l'exercice que je vais vous proposer, il est extrait du cahier encore de Michael Davis, le 20 minutes warm-ups. Et là, c'est l'exercice numéro 4, Extended Slows. Moi, je fais pas. Alors, il y a un CD, hein, donc comme dans toute cette méthode, mais moi, je fais pas avec le CD tout simplement parce que je ne respecte pas ce qui est écrit, donc je peux pas faire avec le CD. Alors, ce qui est écrit, c'est si fa si fa si si fa ré fa si si fa 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 si. Ok, c'est vraiment très très lent. Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève toutes les pauses en fait, j'enlève toutes les notes tenues en faisant ainsi. Bah, je vais vous le jouer. Voilà, du coup, ça permet de faire de faire uniquement 3 mesures au lieu de 6, comme ils sont écrits sur la partition. Et surtout, comme 6 mesures, c'est beaucoup trop long pour tenir la respiration, là, avec 3 mesures, normalement, on devrait pouvoir tenir en une seule inspiration. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre en pause, en replay, etc., ou tout ce que vous voulez, et qu'on puisse le faire ensemble, en même temps, du coup, de la première à la septième position. Alors là, j'ai fait un tempo pas trop vite. On peut faire un tout petit peu plus vite, on peut faire un tout petit peu plus lent. C'est vous qui voyez et surtout, s'il vous plaît, faites en fonction de votre capacité respiratoire. Si vous êtes à chaque fois obligé de respirer en plein milieu, c'est que vous n'êtes pas assez vite. Par contre, si à la fin, il vous reste encore 3 secondes d'air, c'est que vous êtes allé trop vite, du coup. Donc allez plus lentement dans ce cas-là. Donc moi, je vous proposais un tempo intermédiaire. On va faire à ce tempo-là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Pour jouer les sons graves, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les sons graves et sur les fausses pédales, donc la théorie des sons graves qui vont vous permettre de faire ces sons très jolis, très timbrés, sans se fatiguer et surtout en ouvrant énormément la gorge. Allez voir aussi la vidéo sur la respiration large et la respiration complète. Allez, bon courage!